Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Fastcorn. Ça commence à voir, je commence déjà à faire le con. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mon avis sur une quinzaine de Blu-ray que j'ai fait une razzia à la Fnac. Voilà, c'est essentiellement des Blu-ray, enfin des films qui ont déjà quelques années, donc peut-être qu'il y en a certains que vous n'avez pas vus, peut-être qu'il y en a certains que vous avez vus, ça c'est plus probable. C'était pour vous donner mon avis, si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, puis si ça m'a plu et que vous les avez pas vus, bah je vous les conseille, et puis je vous dis pourquoi, mais je suis pas critique de cinéma, hein, donc je vais faire ça rapidement, c'est juste pour vous donner mon avis sur les trucs, bon ça m'a pas plu, plus. Voilà, donc bon, y en a une quinzaine, donc je vais faire ça un petit peu vite fait, hein. Donc, te gratte pas le nez pendant la vidéo, sinon c'est dégueulasse, hein, merde. Ah, je te jure, hein, aucun. Donc, premier film, celui-là, qui s'appelle Dernier train pour Busan. Ouais, ça doit être ça. Je pense pas que ça soit Busan, parce que ça fait trop bizarre. Je pense que c'est Busan. Dernier train pour Busan. C'est un film coréen. Hein, donc, il est marqué Un virus inconnu se propage en Corée du Sud. Donc c'est un film de zombies, hein, pour faire les choses clairement. C'est un vrai film de zombies, d'ailleurs je crois que le mec, hein, c'est un coréen, hein, suppose, comme si ça se passe en Corée, je suppose que c'est un coréen. Je pense que le mec est vraiment fan de films de zombies, parce que ça se voit, c'est dès la première scène, tu sens que ça va être génial. Dès le début, tu te dis, oh là là, je crois que ça va être bien. Tu te doutes, hein, tu te doutes. Quand tu vois la couverture, là, et puis le nom, tu te dis... En plus, quand tu regardes derrière que c'est un film coréen et que ça se passe en Corée, tu te dis, oula. Mais moi, je l'ai acheté, je savais déjà ce que c'était. Donc, je sais pas. Mais c'est vraiment bien. Si vous aimez les films de zombies, je vous le conseille. C'est pas un film d'horreur. Parce que... C'est pas un film d'horreur. Ça fait pas peur, mais c'est un peu comme c'est très bien cadré, très bien filmé, c'est rythmé à fond la caisse, ça s'arrête jamais. Quoique, non, ça s'arrête, il n'y a pas beaucoup de non, c'est très soutenu, hein. C'est vraiment très bien, c'est vraiment excellent. Vraiment, je vous le conseille si vous le connaissez pas et vous aimez les films de zombies, mais ne vous attendez pas à un film d'horreur très gore, hein. C'est pas un film gore, hein. Et puis surtout coréen, il faut pas non plus, ouais. Quoique les films japonais d'horreur, hein, des fois c'est un peu what the fuck, mais non c'est vraiment très bien, c'est plus, moi je vois ça plus comme un film d'action avec des zombies, tu vois. Bon, bien sûr il y a du sang, faut pas exagérer non plus, c'est pas soft, hein. Et puis les zombies, ils sont un peu crades. Mais c'est vraiment... C'est ça, en fait, parce qu'en plus, il y a quelques scènes en image de synthèse, et si c'est de l'image de synthèse, on voit que c'est de l'image de synthèse, mais ça passe bien dans le film. Mais à 90%, les zombies, c'est juste des mecs qui sont maquillés. Mais c'est vraiment bien fait, parce qu'en fait, c'est pas des zombies... c'est des zombies super rapides, quoi. Comme dans... attendez, il y a un autre film... que j'ai de zombies. Attendez que je le retrouve. Voilà. C'est sur World War Z. Voilà. Autre film de zombies. Les zombies, c'est de l'image de synthèse, quoi. Là, non. L'autre, c'est plus... c'est beaucoup de zombies, mais c'est des gens maquillés. Mais c'est très, très, très bien fait. Bon, bref. J'en ai fini pour lui, parce que j'en ai d'autres à faire. Hein. je vous le conseille, si vous aimez les films de zombies, c'est excellent. Ensuite, bon, bah, on va continuer dans les films de zombies. Donc lui, bon, je suppose que vous le connaissez, hein, parce qu'il est quand même assez connu. Il est sorti il y a peut-être 5 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Ça doit être un des premiers films de zombies que j'ai apprécié, en fait. C'était parce que, en fait... c'est un peu comme l'autre, hein. Ce qui est intéressant, c'est la masse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas 2-3 zombies. Comme les films de zombies à l'époque, quand ça commençait les films de zombies, c'était juste 2-3 zombies qui marchaient lentement,
parce qu'il voilà, c'était des zombies. Voilà comment c'était au début les films de zombies. Mais là, c'est plus comme ça. Là, c'est des masses de zombies, c'est vraiment énormément de zombies, il y en a essentiellement en images de synthèse, et extrêmement rapide. Il te saute dessus comme ça, tu vois. Et c'est ça l'évolution du zombie, et c'est vraiment bien. Et donc, bon, celui-là, bien sûr, j'ai aimé, hein, j'ai adoré. Même si, des fois, il y a des trucs bizarres. Point de vue scénaristique, c'est très bizarre. Mais j'ai quand même apprécié, et je pense que c'est avec ces deux-là, là, je. Bon, c'est deux bons films de zombies, et c'est certainement deux films de zombies que j'aime bien. Hein. Ensuite, Avengers. Bon, Avengers, tout le monde connaît. Hein, voilà. Bon, j'ai vraiment aimé. En fait, je pense que The Avengers, c'est un de mes films. Parce que maintenant que Marvel a été racheté par Disney, je m'attends plus à des trucs géniaux. Parce que Disney, c'est les meilleurs pour tout détruire. Dès qu'ils prennent une licence, en général, après, ça devient n'importe quoi. Ils sont très forts pour racheter les studios et tout ça. Mais après, pour faire des trucs bien, n'y a plus personne. Donc, voilà. C'est avant tous les films qui sont avant le rachat de Marvel, ça reste des films bien, corrects, on va dire. Je suis pas du tout un fan de Marvel, hein. Moi je suis pas du tout fan de super-héros de Marvel. Ça me. Mais celui-là, je l'avais vu au Cinoche, il m'avait plu, donc je l'ai racheté en Blu-ray parce que je pense que c'est un de mes préférés en fait. Je pense que c'est un de mes préférés à cause du cadrage. C'est toujours des grands espaces, un grand cadrage très large, vous voyez? Maintenant, c'est plus comme ça. Les films de Marvel, c'est des tout petits cadrages comme ça. Là, celui-là, c'est des putains d'espace, de grand, c'est très ouvert. C'est vraiment. Moi, j'adore ce film. J'adore comment il est filmé, en fait. Et puis, bon, voilà, c'est excellent comme. Hop, encore un truc de super-héros. Wonder Woman. Bon, Wonder Woman, vraiment. J'ai adoré le début, vraiment le début, c'est excellent, excellent, excellent. Par contre, j'ai pas du tout aimé la fin. La fin, j'ai trouvé nul, la fin nulle. Mais c'est quand même un film que j'aime bien, film de héros, pseudo-féministe, mais bon, moi, je regarde pas trop ça, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle et passer un bon moment. Après, que ce soit féministe, pas féministe, je m'en tape un peu, je m'en fous. Moi, du moment où je passe un bon moment, que le film m'a plu, voilà. S'il y a un message féministe dedans, bon, pourquoi pas, si ça leur fait plaisir. donc moi, ce que je regarde, c'est le film, s'il est bien, s'il m'a plu, et puis si. Donc c'est un bon film, franchement. Mais il y a juste la fin. Le héros, le méchant, je le trouve nul, et la fin est nulle. C'est vraiment, je déteste la fin. Mais sinon, tout le reste du film est vraiment excellent. Et le début, là, la première scène dans l'île, là, c'est. Rien que pour la scène dans l'île, là, dès le début, là, le DVD, le Blu-ray vaut le coup. Vraiment. Ensuite, alors un film, c'est peut-être un des plus récents que j'ai, hein. C'est Alita. Alita, j'adore. Franchement, pareil, c'est un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai racheté en Blu-ray, parce que, franchement, j'adore. Même si c'est pareil, c'est un peu comme Wonder Woman, la fin. Ouais. mais j'aime vraiment le début, quoi. Ça fait un peu l'adolescente qui découvre le monde, tout ça, là, qui connaît rien, qui apprend, qui tu vois. Ça, j'aime bien. Mais la fin, bon, c'est un peu comme Wonder Woman, hein, la fin est un peu. Mais vraiment, sinon, j'adore. Excellent, excellent. Bon, après, c'est sûr que si t'es un fan de. Je crois que c'est Guns, le manga. Bah, t'étais peut-être pas content parce que ça suit pas vraiment l'histoire de Guns, mais moi je m'en fous, je suis pas un fan de manga. Donc, je connais bien sûr le manga, mais je suis pas un fan et moi. Si tu connais pas le manga, le film est excellent. Par contre, si tu connais le manga. Bon, après, t'es moyennement content quand même. Donc, vraiment, Alita, j'adore. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'attaches à
à la fille là. Elle est très attachante, même si elle a des gros yeux bizarres là. Mais en fait, au début, c'est vrai que moi, là, quand j'ai vu les trailers la première fois, je me dis quoi? Pourquoi ils ont fait des gros yeux comme ça? C'est vraiment. Et en fait, après, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça qui la personnalise. Voilà. Vous voyez, comme c'est la seule qui a des yeux un peu grands comme ça, ben, ça la personnalise, ça la rend unique en fait. C'est un peu pour la rendre unique. En fait, c'est pour faire montrer qu'elle est unique. Hein? Parce que si elle aurait un visage comme tout le monde et des yeux comme tout le monde, ça se noierait un peu dans la masse, et puis bon, ça serait un truc un peu quelconque. Là, ça fait montrer un peu sa différence, quoi, en fait. Donc vraiment, j'ai adoré Alita, excellent, je vous le conseille, il y a juste la fin qui est un peu... Ensuite, un film catastrophe. Donc, c'est Rampage Hard Control. C'est ça? Ouais. Donc, je vous le dis, c'est un de mes films catastrophes préférés. Car c'est un film catastrophe. C'est des monstres qui arrivent dans une ville et qui détruisent tout. C'est un film catastrophe. Certains peuvent dire que c'est un film d'action, mais c'est avant tout un film catastrophe. Hein. Et franchement, c'est de la balle. Je pense sincèrement, c'est un de mes films préférés catastrophe. Pour moi, c'est un des meilleurs films catastrophe. C'est vraiment excellent. C'est super rythmé. Les monstres sont impressionnants. C'est bien cadré. Les effets spéciaux sont nickel. Don Johnson, quand on sait pas que c'est un catcheur, bon, ça passe. Bon, c'est plus un catcheur. Mais il fait le taf. Hein. Puis maintenant, c'est la nouvelle star. C'est vraiment devenu la star des films d'action. C'est plus. Il a laissé la place à ses. Stallone et Schwarzy ont laissé la place à Don Johnson, là, je crois qu'il s'appelle comme ça. The Rock, quoi. Il fait le taf, hein. Je suis pas un fan, mais bon, il fait le taf. Mais vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez les films catastrophes, genre Godzilla, parce que c'est un peu dans le même scénario, hein. Godzilla, c'est quoi? C'est un monstre qui va avancer une ville, qui détruit tout. Bon, bref. C'est un peu dans le. Si vous avez aimé Godzilla, achetez ce film. Vous verrez, vous serez pas déçus. Ça déchire sa race. Ensuite, Cimetière. Mais c'est pas le remake. C'est le... C'est le premier Cimetière, d'origine, qui est sorti en 80, je sais pas combien, peut-être 4, dans les années 80, hein, ou 80, je pense que plutôt dans les années 80. J'étais très très jeune quand je l'ai vu la première fois. Donc c'est la version originale. Eh bien, je suis extrêmement déçu. Quand je l'ai vu que j'étais adolescent, j'avais trouvé excellent. Vraiment, ça m'avait bien fait peur et tout ça. Et quand je l'ai revu... Oh, il a pris un méchant coup de vieux. Hein. Méchant coup de vieux, j'étais déçu. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a très 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 mal vieilli. Je parle de pas du remake, hein, d'original. Hein. Bien sûr, ça reste, comment dirais-je, ça fait partie des films d'horreur. Pour les fans de films d'horreur, ça fait partie des classiques. Hein. Mais moi, j'en attendais autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais jeune, je l'avais vu et je le recherchais en Blu-ray parce que j'en gardais un très très bon souvenir, que ça m'avait beaucoup plu. Et quand je l'ai revu, j'ai trouvé qu'il avait mal vieilli. Les acteurs sont pas bons, le doublage est pas bon, l'histoire est bof. J'ai pas du tout. Je suis vite redescendu. J'ai dit, oh putain, c'est quoi cette saloperie? Je me suis fait avoir. Bon, c'est ça, c'est l'esprit. Des fois, tu vois des vieux films, tu as vu des films que tu as vu, puis après, tu dis, c'est ça, c'est génial. Et puis quand tu le revois, tu dis, ah ben non, c'était pas génial. Donc là, ça fait. Un autre vieux film, c'est les deux seuls vieux films d'horreur que j'ai achetés. C'est donc Prince des Ténèbres. C'est ça, ouais. Prince des Ténèbres. Pareil, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, là. C'est des vieux films, c'est de là, c'est des films des années 80, c'est des très très vieux films d'horreur. Et lui, par contre, je n'ai pas été déçu du tout, il n'a pas bougé d'un poil. C'est un film qui a été tourné dans les années 80, et c'est toujours aussi génial.
Je veux dire, j'adore ce film. Côté de l'autre, là, qui a très très mal vieilli. Celui-là, il a pratiquement pas vieilli. Je veux dire, on peut le revoir encore maintenant. Bien sûr, tu vois aux gens comment ils sont habillés, tout ça. Et puis, mais ça passe. À travers le temps, ça passe. Je veux dire, et puis l'histoire est excellente, c'est super bien tourné. C'est fait par Carpenter. Donc, c'est super. Les comédiens sont bons. Pas exagéré, c'est pas non plus. C'est un film d'horreur, donc c'est pas non plus. Il joue pas super, super bien la comédie, mais il joue correctement la comédie, donc ça passe. Et franchement, c'est bien filmé. Et puis la fin, j'adore la fin. La fin est géniale. Je veux dire, je kiffe. Si vous. Bien sûr, ça fait partie des classiques des films d'horreur. Si vous êtes fan de films d'horreur, bien sûr, vous connaissez. Si vous êtes jeune et vous connaissez pas. Bon, après, si vous êtes jeune, peut-être que vous l'appréciez pas parce que c'est pas. Comme c'est un vieux film des années 80, les effets spéciaux sont un peu. Sont bons. Un peu dégueulasse, hein, je dois le dire. Mais bon, voilà, c'est pas des effets spéciaux d'aujourd'hui. Hein. Donc, à mon avis, c'est plus pour les vieux loubards comme moi que pour les jeunes. Mais si vous êtes jeune et vous voulez découvrir un vieux film d'horreur de qualité, mais ancien, eh ben, je vous conseille Prince des Ténèbres. Vous verrez, c'est génial. C'est excellent. Bon, moi, j'adore. Bon, après, je me suis acheté un dessin animé. Donc c'est Astérix, le secret de la potion magique. C'est une histoire d'Alexandre Astier. Donc bon, ça peut pas être du mauvais. Donc franchement, je vais vous dire franchement mon avis. Je pense que c'est mon Astérix préféré. Je les ai tous vus. Vous savez, on a tous vu Astérix, hein, le dessin animé qui passe là pendant les périodes de Noël, là où il y a toujours un Astérix qui passe. Franchement, c'est vrai quoi. Tous les ans, pendant la période de Noël, t'as un Astérix qui passe à la télé quoi, ou le Nouvel An. Donc, on a tous vu de Astérix. Celui qui passe souvent, c'est Astérix, les 12 travaux d'Astérix ou Astérix et Cléopâtre. Voilà, Astérix et Cléopâtre. Tous les ans, on y a droit. Donc, en tout cas, il y avait une période, en tout cas, tous les ans, il y avait. Donc voilà. Donc franchement, c'est mon Astérix préféré. Celui-là, il est vraiment génial. Le méchant est bien. C'est une bonne, c'est un bon dessiné pour enfants. Où j'ai acheté ça, c'est pour. Voilà, pour changer, là, des films d'horreur, j'ai envie d'un truc un peu. Voilà quoi. Excellent. Si vous avez des enfants et vous savez pas quoi faire pour leur faire plaisir. Acheter Astérix, secret de la potion magique, c'est génial. C'est une bonne histoire. C'est vraiment excellent. Ensuite, un vieux film. Bon, pas aussi vieux que les trucs des années 80, mais quand même, hein, il est pas tout jeune celui-là. Donc, un X-Men, Dark Phoenix. Sincèrement, je pense que c'est mon X-Men préféré. Après, vous me direz, c'est pas difficile parce que les autres sont nuls. Oui, c'est vrai. Bon, à mon avis, il va certainement y avoir des fans aussi de X-Men. Hein. Il y a toujours des fans de tous les films. Hein. Même si les films sont nuls, il y a toujours des fans du. Bon, je m'excuse si vous êtes choqués, fans de X-Men. Mais voilà. X-Men, The Dark Phoenix, c'est mon X-Men préféré parce que je n'aime pas du tout les autres X-Men. C'est pas du tout. Bon. Quand les trucs Marvel, même quand ils sont nuls, c'est passable. Mais alors les X-Men, non, non, j'ai du mal. Je peux pas. C'est comme les 4 Fantastiques. Oh, c'est vraiment nul. Pardon. Pardon, fan de X-Men. Mais celui-là, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de. C'est plus psychologique. Enfin, beaucoup de. Là, c'est vraiment l'histoire de Phoenix. Et c'est plus. Toi. La psychologie de Phoenix, et je pense que c'est un film un peu plus intelligent. Si tu rentres vraiment dans sa. Comment dire. Tu la vois souffrir, tu la vois être malheureuse. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment. Bon, les effets spéciaux sont sympas. Ça reste du X-Men, quoi. Mais je pense, j'ai une petite déception quand même, c'est qu'ils auraient pu aller plus loin. Franchement, c'est un excellent film, mais je pense sincèrement
Quand Phoenix devient surpuissante, je pense sincèrement qu'ils ont été un petit peu, un petit peu légers. Ils auraient été beaucoup plus loin, ça aurait été vraiment génial. Ça manque un peu de folie, quoi. Elle est un peu trop sage à mon goût parce qu'elle ne veut pas tuer les gens, Phoenix. C'est un pouvoir que, vous voyez, le pouvoir qu'elle a eu, c'est pas un pouvoir qu'elle voulait. Et puis, sans faire exprès, elle tue les gens. Entre guillemets, sans faire exprès. Mais ça aurait été bien mieux si, bon, elle pète un câble, quoi. Ça aurait été excellent. J'aurais adoré. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est mon X-Men préféré. Je pense que c'est un des, si ce n'est le meilleur X-Men, je vous le conseille. Ah, ça, chapitre 2. Donc là, il va y avoir un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les films ça, et beaucoup de gens qui ont dû aimer le ça 2, qui doivent trouver que c'est un chef-d'œuvre. Et moi, personnellement, non, 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 je suis désolé, mais non. Déjà, le ça 1, j'ai trouvé assez médiocre. Mais le SA2, mais c'est n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est nul. C'est pas nul à chier, mais je suis extrêmement déçu. C'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un film génial non plus. J'ai été très, très, très déçu parce que tout le long du film, le truc qui m'a pas plu. Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu, mais le truc principal qui m'a pas plu. C'est que tout le long du film, il nous tannent en disant. Parce que. Il y a un écrivain qui a écrit des livres. Et tout le monde lui reproche que la fin de ses ouvrages sont nuls. C'est tout le long du film, l'écrivain a toujours des reproches sur la fin du film. Pour préparer le spectateur du film à une fin bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le long du film, tu as cet écrivain, à chaque fois qu'il demande alors, est-ce que vous avez apprécié, vous avez aimé ce livre? Je dis ouais, mais la fin est nulle. Et à chaque fois, on lui dit bon, mais tes trucs sont bien, mais la fin est nulle. Donc, nous, on s'attend à ce qu'une fin géniale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu dire, vous y verrez, regarde, c'était nul, là, lui, il fait des fins nulles, mais nous, là, dans le film, ça va être une fin géniale. Ah ben, je suis désolé, la fin est nulle. C'est quoi cette fin de merde? C'est complètement. C'est. Moi, je m'attendais à un truc génial. Mais non, c'est complètement con. Mais c'est la même fin que dans le premier. Il me semble bien dans le premier, je vais spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, fermez vos. Bouchez vos oreilles. Mais dans le 1, c'est pas là, c'est pas pareil. Dans le 1. Il le tue pas, bon, même s'il ne le tue pas vraiment dans le 1, il le tue pas en n'ayant plus peur de lui, justement. Et là, c'est pareil, dans le 2, c'est pareil. Alors, je n'ai plus peur de toi d'un seul coup, pour quelle raison, c'est bon. Alors, il n'y a pas 5 minutes, ils avaient peur, et puis d'un seul coup, ils ont plus peur de lui, et puis c'est comme ça que, comme il n'y a plus de peur, il redevient moins. Il perd de sa force, quoi, entre guillemets, et puis, hop, et puis il lui arrache le cœur. Voilà comment ça se termine dans le. Mais dans le 1, c'est pareil, ils l'ont pas tué comme ça, parce qu'ils avaient plus peur de. C'était pareil! Il s'est échappé comme ça en fait. Ils l'ont pas tué dans le 2, mais il s'est échappé comme ça. Parce qu'ils avaient plus peur de lui. Et que. Puis je crois qu'il est retombé dans son trou là. Mais c'est une copier-coller de la. C'est la même fin en fait. Sauf que dans le 2, il lui arrache le cœur. Mais c'est complètement con. Et puis tous ensemble, ils étaient là. Et voilà, c'est fini. Oh génial. C'est ça leur super génial fin. Non, 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 je suis désolé, c'est nul. C'est une fin de merde. Bon, je suis très, 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 très déçu par les ça. Et toutes les apparitions du clown, je les trouve pas terribles du tout. Les effets spéciaux du tout début du film, là, avec les gâteaux chinois, là, je trouvais les effets spéciaux pas bons. C'est vraiment moche. Ça se voit que c'est d'images de synthèse et que c'est atroce. Et puis la réaction de la chinoise qui dit tout va bien? Oui, l'addition. L'autre, il est en train de massacrer sur la table. Là, il est en train de taper comme un cinglé sur la table. L'autre, tout va bien? Oui.
Oh bah l'audition, très bien, au revoir madame. Tu vois? Donc il y a des passages, c'est un peu n'importe quoi. C'est illogique, il y a des réactions. Bref, je n'ai absolument pas aimé. Déjà le 1, je n'ai pas aimé. Alors le 2, je n'ai pas aimé du tout, c'est du grand n'importe quoi. Les comédiens sont corrects. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, hein, c'est des bons comédiens. Mais l'histoire, c'est du n'importe quoi. C'est nul. J'ai pas aimé. Désolé pour ceux, pour les fans. J'ai pas aimé. Bref. Ensuite, il y a... bon, c'est la chose. Donc, j'ai acheté les deux en même temps. C'est juste pour comparer, en fait. Pour comparer les deux, pour voir... bon, bah, bien sûr, hein, bah, le mieux, c'est celui de le Carpenter, et puis que l'autre à côté... mais, lui, c'est évident, hein, Carpenter, c'est le meilleur, c'est le dieu. Donc, bien sûr, c'est lui le meilleur, il n'y a pas de... Je suppose que vous connaissez, faut pas exagérer non plus, hein. Mais lui, là, le remake, moi, ce que j'aime bien, c'est les effets spéciaux. Je trouve que... Bien sûr, c'est pas la même époque, hein. Carpenter c'est pareil, c'est dans les années 80, je suppose. Hein. Ah, celui-là est dans les années 80, et donc celui-là il est filmé dans les années 2000. Et j'aime bien les effets spéciaux. L'histoire est nulle, les comédiens sont mauvais. Enfin, l'histoire est nulle. Non, c'est... Oui, parce qu'en fait, c'est pas la même histoire. Hein. Là, ça se passe avant l'histoire de Carpenter, si j'ai bien compris, avec les Norvégiens. C'est. Et franchement, les effets spéciaux, rien que pour les effets spéciaux, moi je l'aime bien. Même si les modes comédiens sont nuls et puis que l'histoire est nulle, les effets spéciaux, c'est la classe. J'aime les effets spéciaux dans ce film. C'est juste pour ça que je l'ai acheté en fait. Ensuite, Rogue One. Ouais. C'est, jusqu'à maintenant, c'est mon Star Wars préféré. Je suis pas un fan de Star Wars, j'ai jamais été fan de Star Wars. Mais, franchement, quand j'ai vu celui-là, je suis un peu tombé sur le cul. J'étais, ah oui, quand même. Ah oui, c'est un petit peu bien, quand même. Parce que moi, Star Wars, c'est pas mon truc. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, bah, faut être, on peut pas être fan de tout. Hein. Donc, moi, Star Wars, bon, voilà, je suis vraiment pas, mais les trucs spatials, tout ça, là, avec des gens en robe, tout, bon, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, hein, chacun ses goûts. Mais là, j'adore. Franchement, je pense que pour moi, c'est un des meilleurs. C'est mon Star Wars préféré, comme j'ai pas aimé les autres. Vraiment, j'adore. J'adore. Enfin, j'ai pas aimé, faut pas exagérer quand même. C'est agréable, je veux dire. S'il y a un Star Wars qui sort, je le regarde. Je déteste pas, faut pas exagérer, mais voilà, j'apprécie en général assez. Bon, voilà, quoi, c'est toujours un petit peu bon. Mais là, excellent. J'adore. Vraiment, c'est mon Star Wars préféré. Je kiffe. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Et donc, le dernier... J'ai Stéphane. Bon, c'est de la merde. J'ai acheté parce qu'il coûtait 5 euros. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. Nous avons donc... Je vais vous donner mon avis sur une quinzaine de Blu-ray. J'espère que c'était pas trop long, je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous remercie d'avoir passé quelques minutes avec moi. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!